retrouve aujourd'hui une nouvelle vidéo AliExpress Comeback. Donc aujourd'hui je vous propose plusieurs produits, j'espère que ça va vous plaire. Produit qui diffère un petit peu des anciennes vidéos, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler essentiellement de produits vidéo. Pour la plupart, je sais qu'on aime bien prendre des photos, prendre des vidéos au bord de l'eau, et souvent c'est du matériel qui revient vite cher. Donc pour ça, je vous propose de vous présenter plusieurs produits que j'utilise moi tout au long de l'année, et également pour tourner mes vidéos lorsque je suis au bord de l'eau. Donc ce sont des produits qui m'ont donné entière satisfaction, et j'ai vraiment rien à redire, donc vous pouvez les utiliser sans aucun problème. Donc je vais vous parler des batteries GoPro, des micros pour GoPro, système de fixation pour GoPro, des micros pour votre caméra, lampe pour vos plans vidéo ou photo, le trépied pour placer votre appareil photo ou votre caméra, et on terminera par un petit peson assez pratique si vous faites des pêches rapides, etc., pour pas vous encombrer. C'est assez sympa. Allez, c'est parti, on attaque tout ça. Donc le premier produit sur lequel je vais vous parler, c'est la ventouse. Je trouve ça assez pratique. Vous pouvez le fixer sur votre pare-brise, fenêtre, etc., enfin tout ce qui est une surface lisse, et franchement c'est super. Donc ça fonctionne comme tous les autres systèmes de ventouse, hein. Vous avez un système d'attache ici, donc ça c'est réglable, il vous suffit de dévisser juste ici et là vous pouvez jouer avec votre inclinaison et également l'inclinaison de gauche à droite. Voilà, donc c'est vraiment un bon produit. Moi je m'en sers pour faire mes plans lorsque je filme en voiture, je mets ça sur le pare-brise et c'est vraiment super quoi. Ça tient et ça vous coûte 2,60€. Donc franchement, ça vaut le coup quoi. Ça, excellent. Autre produit, les batteries GoPro. Les batteries GoPro, vous savez très bien que ça se crame assez vite dès qu'on filme en continu. Sur une journée de pêche, on a tendance à en utiliser vite 4, 5, voire 6 ou 7. Donc moi personnellement, je m'étais renseigné, c'est vrai que ça coûte assez cher dans le commerce. Et donc depuis le début de l'année, j'utilise les batteries AliExpress. Donc ça se présente exactement comme les vraies batteries que vous pouvez trouver sur internet ou dans les centres commerciaux. Hein, vous voyez, c'est toutes les mêmes. Franchement, il n'y a aucune différence. Donc moi personnellement, je m'en suis acheté 4, donc plus les 2 que j'avais déjà avant, ça m'en fait 6. Au moins, ça me permet de filmer en continu. Puis après, j'ai juste à mettre mes vidéos sur l'ordinateur ou sur un disque dur externe pour libérer de la place sur mes cartes SD. Je recharge mes batteries le soir et il n'y a aucun souci. Ça fonctionne super. Donc une batterie, c'est vendu à 6,70€. Donc vous voyez, pour 4, franchement, ça vaut vraiment le coup. Toujours en restant sur notre GoPro, je me suis aperçu que à certains moments, le son de la GoPro, lorsque je suis avec un boîtier ou si je suis dans la voiture avec un petit peu de vent, etc., les vibrations, le son a tendance à être de mauvaise qualité. Donc ce que j'ai trouvé sur AliExpress, c'est ce petit outil qui est vraiment super. Donc en fait, c'est un micro, sauf que vous pouvez l'adapter avec une prise USB sur votre GoPro. Donc vous avez votre GoPro qui est comme ça. Il vous suffit de le brancher sur la GoPro, voilà, comme ça, vous avez un son qui est de meilleure qualité. Et puis avec les petites moumoutes, ça vous permet d'atténuer l'effet du vent, etc. Et en sachant que le micro, vous pouvez l'orienter de la manière dont vous voulez. Voilà, franchement, ça ne me change rien pour la pêche, sauf que j'ai un son qui est nettement meilleur. Et si je parle, ça enregistre beaucoup mieux. Donc ça, c'est super. C'est pas encombrant. Et ce petit micro, c'est vendu à 7€. Donc franchement, 7€ pour ça, moi je dis ça vaut le coup. Ensuite, en restant sur tout ce qui est matériel vidéo. Avec la caméra, c'est pareil, je m'étais aperçu que dès que je filmais en extérieur par grand vent, c'était une vraie galère, on n'entendait rien. La seule chose qu'on entendait, c'est le vent qui souffle dans la caméra et c'est tout.
Donc ça peut littéralement vous tuer votre vidéo, vous le savez très bien. Donc ce que je vous propose, c'est ce micro, voilà, tout simple. Donc prise qui fonctionne donc sur les appareils photo ou sur les caméras. Système de fixation très simple, puisque c'est le système de fixation comme pour un flash. Et là, vous avez un son qui est de très bonne qualité. Et surtout, vous n'êtes pas emmerdé avec le vent, puisque votre moumoute vous procure un son de très bonne qualité. En sachant que c'est vendu avec la mousse de base. Donc ça fonctionne avec deux petites piles que vous avez ici. Voilà. Et après, il vous suffit de l'allumer avec le petit interrupteur. Voilà. Là, on est branché. Vous le fixez sur votre appareil. Et c'est parti. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise très souvent dès que je filme en extérieur pour mes prises vidéo. Ça me suit vraiment partout parce que c'est quasiment obligatoire si vous désirez faire de la vidéo avec une qualité, on va dire, propre. Et donc ce micro, il est vendu à 29€. Bon, je trouve que c'est quand même largement accessible par rapport au prix qu'on peut trouver sur les gros sites. Les prix montent quand même très facilement, quoi. Toujours sur le matériel vidéo ou le matériel photo, je vous propose ceci. Alors ça, c'est primordial pour ceux qui veulent faire de jolies photos ou de jolies prises vidéo dès qu'il commence à faire un petit peu nuit ou alors en pleine nuit. Moi, j'utilise vraiment cet outil lorsque je veux faire des prises vidéo avec des combats de nuit, etc. Et ça, c'est génial. Franchement, vous voyez comme en plein jour. Si je l'allume là, vous allez voir. Voilà. Franchement, je vous assure qu'en pleine nuit, ça éclaire un truc de malade. Le gros avantage, c'est que d'une part, vous pouvez régler l'intensité de votre éclairage. Et surtout, vous pouvez régler la couleur de votre lumière. C'est-à-dire que vous enlevez les caches. Donc le cache qui est devant, le cache qui est derrière, qui est jaune, vous les inversez. C'est aimanté, donc ça tient vraiment parfaitement. Et donc là, on se retrouve avec une lumière jaune, alors que tout à l'heure, on avait une lumière blanche. Là, vous allez voir la différence. Voilà. Donc, suivant les conditions, vous pouvez l'adapter. Il vous suffit de retirer le cache blanc. Vous enlevez le cache jaune, vous les échangez, vous voyez, ça prend 2 secondes, et vous repartez sur une lumière blanche. Donc c'est des petites LED, ça fonctionne avec 4 piles, et honnêtement la consommation, elle est très très faible. Et ça, je vous dis, c'est extra pour tous vos plans nocturnes, c'est obligatoire. Vous avez une super qualité de vidéo grâce à ça. Et donc, ce petit ensemble là, il est vendu à 11,70€. Top du top. Alors là, je vais devoir prendre la caméra à la main, puisque je vais devoir vous filmer le trépied et le petit rail qui me sert pour faire tous mes tournages vidéo. Donc voilà le trépied que j'utilise moi. Donc c'est vraiment un trépied classique, hein. On retrouve toutes les caractéristiques avec votre petite poignée que vous pouvez donc vous dévisser, et donc là vous pouvez jouer sur votre inclinaison. Voilà, c'est vraiment super simple. Ce qui est bien, c'est que vous avez également un petit niveau, donc ça vous permet vraiment d'être sûr que vous êtes en plan horizontal. Donc là vous avez vos systèmes de réglage, donc le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Niveau hauteur, c'est très très bien puisque ça arrive au niveau du nombril. Donc pour faire des plans, c'est parfait. C'est vraiment très très léger. Et puis donc à ça, j'y ai ajouté un petit rail qui me permet donc de fixer ma caméra du côté gauche. Et sur le côté droite, je peux fixer par exemple soit le micro, soit la petite lampe pour les plans nocturnes que je vous ai présenté juste auparavant. Donc ça, c'est vraiment génial, ce petit rail, c'est primordial, parce que sinon vous êtes limité à fixer simplement votre caméra. C'est vraiment très très bien. Et donc ce trépied, il est vendu à 32€. Et le rail, il est vendu à 13€.
Ça vous fait un ensemble pour moins de 50 euros. Donc pour le matériel vidéo, c'est terminé. Voilà à peu près tout ce que j'utilise tout au long de l'année. Et je vous le répète, c'est des produits, vous pouvez avoir une confiance totale là-dedans. Moi, je les utilise et franchement, j'ai zéro problème avec ça, quoi. Donc, si vous voulez vous lancer dans la photo, dans la vidéo, avec un petit budget, bah, c'est parfait pour vous, quoi. N'hésitez pas, foncez. On va terminer sur le petit peson. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça vous prend pas beaucoup de place lorsque vous voulez faire une pêche rapide. C'est parfait. Plutôt que d'avoir un gros peson, vous prenez ça. Vous l'allumez, tout simplement. Voilà. Après, vous pouvez changer donc les unités. Mais bon, nous, principalement, c'est en kilos. Et il se tare automatiquement. Dès que vous avez un poids qui va rester fixe pendant un certain temps, il va se tarer et il vous affiche votre poids. Donc, c'est vraiment bien. Ça prend pas beaucoup de place. Vous le mettez comme ça dans votre poche et c'est parti. Ce petit peson, il est vendu à 5,60€. Donc franchement, parfait. Moi, je m'en sers durant toutes mes sessions. Même avec les poissons de 20 kg, enfin ça passe. Hein. On le prend bien ici, sur le côté et sur le bas. Et c'est bon, enfin votre poisson, enfin vous le levez. Hein. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous m'envoyez tout ça, je vous répondrai. Partagez la vidéo avec tout le monde. Laissez-moi le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Merci encore à tous ceux qui s'abonnent. On s'agrandit de plus en plus. On s'approche bientôt des 1000 abonnés. C'est faisable avant la fin de l'année. Donc je vous fais confiance. D'ici là, prenez soin de vous, gardez la pêche et je vous dis à la prochaine. Ciao !